Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo création, voilà, création de cartes avec la matrice de découpe achetée donc chez Action il n'y a pas très très longtemps. Donc, il y avait un ensemble de matrices dans une même pochette. Il y avait ce cercle-là, celui qui est festonné, là, un peu dentelle, et il y avait celui-ci. Et il y avait aussi des fleurs avec. Je ne sais pas si on va les voir. Il y avait aussi des fleurs dans le lot. Mais moi, elles sont rangées avec mes autres matrices de découpe dans le thème fleurs. Voilà. Et je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Donc voilà. Alors, pour celles qui ont acheté cette matrice de découpe, vous savez comment il fonctionne. Je vais juste expliquer donc pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc elle se présente comme ça, elle fait 14 cm de haut, ce qui est le plus important au niveau des mesures. Là, je crois qu'elle fait 8 cm de diamètre, à peu près. Hop là. Oui, c'est ça, 8 cm de diamètre. Et donc quand on la retourne, on a donc ces deux parties-là, celle-ci et celle-ci. Ça ne coupe pas, c'est pour faire un pli. Donc vous voyez. Ça permet en fait de faire le pli ici, ça va marquer le pli pour qu'ensuite on puisse plier facilement notre papier. Voilà. Et ensuite donc elle a ici un bout qui coupe et ici aussi. Donc là comme vous voyez, ça fait la totalité du demi-cercle et là ça ne fait qu'un petit bout. Donc c'est très important quand on l'utilise d'être dans le bon sens. Là, par exemple, c'est important que donc ma grande coupure se trouve au niveau de l'ouverture, en fait, voilà, qu'on puisse la plaquer comme ça sur le côté. Si je m'étais trompée, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, en fait, j'aurais pas pu ouvrir ma carte et là, la grande ouverture m'aurait servi à rien. Donc, comme je le dis, je me suis trompée à plusieurs reprises. Ça m'a un petit peu agacée du coup parce que j'ai gâché un peu de papier. Et du coup aussi après, je vérifiais de façon un peu abusive. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que je suis sûre? J'ai enlevé mon washi, etc. pour vérifier parce que j'étais un peu stressée. Et je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué en fait... J'ai marqué ma matrice de découpe. Donc là avec comment on appelle ça? Du marqueur indélébile. Voilà, j'ai fait mon tracé. Donc là, je me suis vraiment mis bord à bord de... Voilà, pour être sûre de ne pas me tromper. Et j'ai ensuite verni avec du vernis transparent en bombe de chez Action. Voilà, que j'avais depuis un petit moment. Et du coup, ça tient et c'est mon point de repère. Enfin, c'est beaucoup plus facile, si je veux dire. Je vois tout de suite comment je dois me positionner. Voilà. Donc ça, si vous avez cette matrice de découpe et que vous galérez un petit peu, n'hésitez pas à faire comme ça. Hein. C'est l'idéal. Autant se faciliter la vie. Éviter de gâcher du papier éventuellement. Donc voilà. Ensuite, je me suis retrouvée face à un autre problème, c'est-à-dire que je voulais absolument pouvoir décorer mon papier. Voilà. Donc pour certaines personnes, c'est facile de refaire des découpes comme ça, de faire les ronds au ciseau, etc. Moi, j'ai des complications quand il s'agit de couper droit, d'être bien en phase avec mon papier, etc. Voilà, je suis pas forcément très très douée. Et du coup, j'ai réfléchi à comment faire. Et puis, en fait, c'est super facile. Je vais vous expliquer. Il y a vraiment des fois, on réfléchit un peu trop, et alors qu'il y a des solutions toutes simples. Voilà. Là par contre, vous voyez, j'ai pas fait décorer mon papier, je l'ai laissé comme ça. J'ai pas mis de papier de fond, je veux dire, j'ai laissé mon papier craft apparent parce que justement au départ j'avais galéré et je m'étais dit, après tout, je laisse le papier comme brut comme il est et puis je décore autour. Donc c'est aussi une possibilité et c'est très joli, hein. Enfin, je veux pas lancer des fleurs à ma carte, mais je veux dire, voilà, c'est un autre style. Et c'est sympa aussi. Voilà. Donc, je pense utiliser au cours de cette vidéo les stickers. C'était des chipboards, voilà, que j'ai acheté chez Action. Je crois que c'était hier.
Hier, on était lundi, donc oui, c'est ça, c'était hier. Des fois, je me perds dans mes jours. Mes journées sont à la fois trop courtes et trop longues. Je fais trop de choses en une journée. Du coup, je ne sais jamais, je suis un peu perdue des fois. Enfin bref. Donc ça, ce sont les anciens. Alors, comme je le disais hier, l'ancienne planche de chipboard que j'avais achetée va très bien s'associer avec la nouvelle. Voilà. Et là, c'est pareil, je trouve que ça peut correspondre, hein. Je peux les associer sans aucun souci. Et j'ai pris celle-ci, donc je ne suis pas sûre d'utiliser celle-ci. Je vais voir. Bon, déjà, les chipboards, voilà, pour décorer au centre de ma carte, peut-être. Je verrai au fur et à mesure de ma création. Du papier que je vais couper. Vous pouvez prendre des vases de cartes toutes faites qui se trouvent chez Action pour toutes les personnes qui ont Action ou dans n'importe quelle boutique hein, de loisirs créatifs. On peut prendre des bases de cartes toutes faites, mais là je veux les faire moi. Ensuite, je vais utiliser donc les papiers de chez Action, ceux qui sont très fins, qui sont super sympas justement pour faire des bases de cartes pour décorer. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Et éventuellement, j'ai sorti les petits pour si j'en ai besoin pour le centre. Voilà. À utiliser avec ces petites matrices de découpe. Voilà. Donc c'est les petits blocs qu'ils ont sortis là dernièrement en 10 par 10. Voilà. Donc je vais commencer déjà par me faire un peu de place et découper mes bases de cartes. Alors. Ces papiers-là sont en 15 par 15. Ma matrice fait 14 cm. Donc soit je décide de partir sur le format 15 par 15. Je décide de laisser 15,5. Et normalement, les cartes logeront encore dans des enveloppes. Alors attendez voir. Voilà. Des enveloppes de chez Action là, donc les bases sont à 15 cm et les enveloppes font 16 sur 16. Si je garde mon papier 15 cm, alors soit j'ai envie d'avoir un petit bord et du coup je garde 0,5 cm de plus, donc ce qui me fera 15,5 pour ma base de carte, soit on peut couper donc un petit peu dans le papier. Moi, je ne vais pas du tout faire du 15 par 15 ou du 15,5. Je vais rester sur du 14. 14 cm et je vais venir découper mon papier ici en 13,5 pour avoir un petit rebord. Voilà, ça ne fait pas beaucoup de pertes, mais du coup, ça sera super facile pour me positionner avec ma matrice de découpe. C'est pas que c'est compliqué, hein, mais c'est que j'ai envie de faire simple. Voilà, il y a des fois où on a besoin de cartes, où on a envie de faire des cartes, enfin, mais sans forcément se casser la tête, ou quand on a besoin d'une carte rapide. Voilà. Donc, je vais prendre mes affaires pour couper. Donc, j'ai dit que j'allais partir sur du 14 et demi, 14, pardon, 14. Donc, je me positionne. 14. Voilà, mon papier, je le récupère dans la boîte. Chute. Et là, donc, il nous faut 2 fois 14. La lame commence à fatiguer, donc 28 cm. Je déborde un tout petit peu juste pour que mon pli soit top. Voilà. Ça c'est fait. Ben, je vais faire pareil. Je vais faire avec ma deuxième tout de suite, comme ça je pourrai ranger ce massicot. Voilà. Et donc 28,1. 28,1 pour mon pli. Et voilà. C'est fait. Donc là, je vais prendre mes cartes, je vais les plier donc bord à bord en deux. Donc avec le massicot, vous pouvez faire directement le pli
Avec ça, là, vous pouvez faire directement le pli avec le, si vous avez un plioir. Moi, personnellement, je préfère le faire à la main. Comme ça, je suis vraiment sûre de ne pas me tromper dans mes dimensions. C'est bien bord à bord. Après, avec un plioir ou quelque chose qui permet d'aplatir, eh bien, vous aplatissez. Et voilà. Donc celle-ci. Et je fais pareil donc avec ma base blanche. Et voilà. Alors là, par contre, ouais, mon massicot, il m'a fait un petit peu. C'est pas une découpe bien nette. Il a commencé à m'abîmer un peu le papier. Donc je vais devoir changer de lame. Ouais, ça va pas. Pas enlever assez. Bon, bah, ça sera pas tout juste 14 sur 14. Mais et là, c'est bon. Un petit bout ici. Je préfère que ma coupure soit propre, soit nette. Hop là, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc c'était très simple. Ensuite, il faut que je choisisse mon papier. Donc, je pense que je vais faire donc une carte avec ça. Donc celui-ci pourrait correspondre. Celui-ci, non, à voir, non, non, à voir, non, non, non. On va regarder dans cela. Alors, donc c'est beaucoup de bleu, de rose et de l'argenté. On peut même considérer qu'il y a un peu de marron. Celui-ci, mais essentiellement c'est le bleu, le rose et l'argenté qui ressortent. Donc là il va me falloir oh, il est super joli celui-ci. Il va me falloir donc deux papiers. Et surtout, j'ai même pas choisi de thème. Ce serait quand même bien avant de choisir mon papier que je choisisse un thème à cette carte. Je me demande si je vais pas prendre le Biapi là, qui serait plutôt sympa dans le. Dans le cercle, avec dessous un papier peut-être dans les tons de bleu pour bien ressortir. Et après, je pourrais éventuellement mettre ce cœur sur. D'accord. Allez, on va partir comme ça. Donc, il me faut un papier rose, un papier bleu. J'ai pas de papier bleu là-dedans, je me suis fait avoir. Je pensais qu'il y aurait du bleu. Ah, peut-être plus ici. Là, il y a du bleu. Allez, je vais prendre celui-ci. J'ai aucune idée, hein. Vraiment, c'est. On va voir. Ce sera peut-être pas joli au final. Si jamais c'est pas beau, je changerai. Donc du rose. Quelque chose de plus neutre, des cœurs. Pourquoi pas les petits cœurs? Oh, ça va pas bien ressortir avec ça. Quelque chose de plus léger, peut-être, je sais pas. J'aurais voulu rester dans les mêmes teintes, mais ça va être compliqué. Parce que c'est vraiment un rose.
Un rose très clair sur le chipboard. Bon, allez, je vais faire simple. Ah oui, c'est vrai, j'avais aussi celui-ci. Je suis bête. Je l'avais oublié. Avec un peu de gris, je vais voir. Allez. Enfin, un peu, peut-être un peu plus violet celui-ci. Hop là. Voilà, je vais ranger mes papiers pour me faire de la place. De toute façon, l'essentiel là, c'est pas trop le résultat de ma carte, mais c'est plus pour vous montrer comment je fais, du coup. Donc, déjà, il va falloir que je coupe mes papiers en 13,5 par 13,5. Alors. Crayon 13,5. Par 13,5. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que celui-ci donc sera devant et celui-ci sera derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le mettre de ce côté-ci avec la face décorée de l'autre côté. Et celui-ci, je vais le mettre là. Mais face à moi. Voilà. Je les superpose bien. Je me mets bien. Alors, ce qu'on peut faire, pour être sûr que ça ne bouge pas trop. Donc, je prends un petit bout de washi. Je le replie sur lui-même. Et je vais venir, voilà, hop là, faire comme ça. Ça va tenir, même sur lui-même, il ne tient pas. Et je vais venir donc positionner ma feuille ainsi. Voilà. Hop, ça me fera juste un petit point de fixation. Voilà. Et donc je viens positionner, je le mets tout de suite sur ma plaque. Pensez à bien ouvrir votre carte. Il ne faut pas la laisser fermer sur elle-même. Donc voilà, ensuite je fais comme ça. Ensuite, hop. Hop. Voilà. Donc ensuite, ma matrice de découpe, il faut absolument donc que je vienne la positionner de façon à ce que la grande ouverture soit vers justement l'ouverture de carte. Là, je vais mesurer 7 cm. Donc diviser mon 14 cm en deux pour positionner ma matrice dans le milieu. Voilà. Et pareil ici. Voilà, donc un tout petit point hein, au crayon de papier discret à gommer après. Et voilà, et donc je viens placer ma matrice de découpe avec la grande coupure vers l'ouverture là. Voilà,
Et là, je vais mettre un petit peu de... C'est juste pour tenir en fait un peu ma matrice le temps que que je passe dans la machine. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je reviens. À tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait. Là, on retire délicatement le washi. Et voilà, ça a déchiré. Ça m'énerve quand ça fait ça. Il y a autant des fois où ça ne veut pas coller et autant des fois où bah, ah comme par hasard. Hop, allez, ni vu ni connu. C'était un tout petit bout. Donc on enlève délicatement son washi. On évite d'arracher tout son papier. Voilà. Alors, je l'avais posé sur ma main en espérant que ça soit suffisant. Donc, on enlève un peu le côté collant comme ça quand on passe dans la machine, ça n'adhère pas trop. Ça n'adhère plus trop après au papier. Ça évite que ça colle. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais garder donc cette partie-là. Celle-ci, pour l'instant, je la mets de côté. On peut éventuellement, hop, voilà, déjà plier. Quand vous faites le pli, essayez de bien vous positionner avant de fixer votre pli pour que ça soit droit et que ça ne déborde pas de votre carte. Voilà. Voilà, ça donc vous voyez, c'est fait. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Moi, c'était plus cette partie-là qui était compliquée pour moi. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous repositionnez donc votre matrice exactement comme elle était et avec un crayon de papier, vous venez, vous faites votre contour. Voilà, de chaque côté extérieur de votre matrice. Voilà. Et ensuite, avec des ciseaux, vous pouvez venir découper en fait votre tour. Et ça vous fera vos parties à coller. Ou alors, vous pouvez aussi le faire de façon avec une machine. Excusez-moi un instant. J'ai un petit bout de ferraille là qui reste sur ma matrice. Je vais l'enlever. Donc voilà, donc là moi je vais prendre une matrice ronde. Je vais venir, parce qu'en fait je suis pas douée pour couper. Elle est douée pour quoi la fille? Pour rien. Elle est douée pour rien. Donc je n'arrive pas à couper droit. Même avec des traits, j'arrive encore à partir de côté. C'est impressionnant. Ça doit être un problème au niveau des yeux, je ne sais pas. Je n'y peux rien. Donc bref, donc je vais positionner donc ma matrice de découpe qui est un petit peu plus grande donc que mon rond de base, que ma découpe de base. Vous voyez, comme pour le trait en fait. Et je vais venir me positionner, voilà, de cette façon. J'espère que je ne fais pas une erreur en mettant mon washi et que ça ne va pas trop se coller ensuite. Que je vais pouvoir l'enlever sans bobo. Voilà, donc je positionne et je vais passer ça dans la machine. Voilà, cette partie-là est faite. Donc j'ai plus qu'à tout retirer. Voilà. Mon rond est parfaitement rond. Il correspond donc là pour le coup à la taille du cercle que je voulais. Donc ma matrice fait
Elle fait 8,3 de diamètre. Donc elle est un petit peu plus grande, pardon, pardon, que vous voyez. À peine, hein, mais c'est suffisant. C'est ce qu'il me fallait. Voilà. Et maintenant, donc je vais continuer à me servir de mes repères. Ce fait au crayon de papier. Tout en gardant bien mes découpes vraiment bord à bord. Mes papiers, pardon, pas mes découpes, mes papiers. Il faut vraiment que ça reste bien bord à bord. Et donc je vais venir. C'est quoi qui m'embête là? Qui accroche? Voilà. Et donc je vais venir couper. Ça, je garde. Et là, je vais venir aussi enlever. Hop. Donc la partie qu'il y a dans le milieu. Oh, j'ai coupé très court là. Je crois que je me suis un peu loupée. Et donc là, hop là. S'il faut, je referai mes découpes. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est fait. Et logiquement, si je ne me suis pas trop plantée, ben, facilement, on va pouvoir venir. Donc. Juste que j'enlève ça. Sans tout déchirer. Encore une fois, voilà. Voilà. Donc, cette partie-là va venir facilement se mettre ici. Voilà. Celle-ci, ici. Donc, normalement, du coup, tout correspond bien. Voilà, bon, bah, c'est ce que je pensais. Moi, j'ai coupé un tout petit peu trop court à ce niveau-là. Il me manque 2 mm à peu près. C'est pas très, très grave. Voilà, pour une carte de démonstration. Et donc ensuite, on a bah, les parties là. Donc celle-ci, elle vient ici, puisque c'est celle-là. Voilà, elle vient là. Et on a cette partie-là qui vient se mettre ici. Et voilà, maintenant, ce qu'il reste à faire, bah, c'est décorer toute la carte. Mais sinon, de façon assez simple et rapide, on a voilà, on a la base de fait. Et voilà. Donc là, je vais faire une petite pause et je reviens une fois ma carte terminée. À très vite. Je voulais juste vous reprendre rapidement pour vous dire les deux ronds donc, qui viennent d'ici là, qui ont servi, enfin qui viennent de ce papier. Ne le jetez pas et quand vous le découpez, si vous le découpez avec des ciseaux, découpez-le proprement, car après il peut vous resservir donc avec la matrice de découpe, donc on en a deux. Voilà, avec l'une ou l'autre, ça peut vous resservir pour habiller en fait votre cercle ici. Voilà, moi je vais faire les découpes et je vais venir ensuite coller mon papier. Sur ma carte. Voilà, je voulais vous dire ça avant que j'oublie. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve pour terminer ma carte donc en vidéo avec vous. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Alors derrière, on peut décider de laisser blanc ou de venir remettre un papier déco qui va avec ce que vous avez déjà utilisé. Donc voilà, donc ça c'est la face avant. J'ai pas décoré, j'aurais pu, je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça, mais du coup je l'ai laissé tel quel. Simple, j'aime bien. Des fois, juste simple, c'est sympa. Voilà, donc ensuite, quand la personne la reçoit, elle se présente comme ça. Quand elle s'ouvre, voilà. Donc du coup, j'ai pas mis de chipboard ou autre, j'ai mis un petit tamponnage. Tu mérites le meilleur que la vie a à offrir. Voilà. J'ai continué avec le même papier déco que ici, voilà. Et là, j'ai fait donc une découpe. Alors, ça peut être fait enfin, ça peut être fait une découpe droite toute simple. Ou si vous voulez, vous mettez juste un papier là blanc, vous laissez blanc. Enfin voilà, ça c'est vraiment après au choix.
Moi, je ne l'ai pas fixé, j'ai juste mis un petit peu de washi derrière en double face pour le tenir parce que je préfère écrire à côté et si ça va, seulement après je colle. Parce que des fois, bon, ben, entre une faute, une rature, enfin voilà, je trouve que c'est. Je préfère coller après. Et là, donc, je vais terminer de décorer cette partie-là. Voilà, donc j'ai décidé de mettre. Alors, c'est. Donc, justement, c'est un chipboard de la même planche. Voilà. Derrière ici, j'ai mis du papier pour que ça ne colle pas. Voilà. Puisque comme je ne veux pas fixer définitivement mon papier pour le moment, ça va aller comme ça. Et une petite étoile. Donc là, j'ai choisi de faire une carte un peu passe-partout, on va dire. Be happy, donc sois heureux, heureuse et tu mérites le meilleur de ce que la vie a à offrir. Ça peut être aussi bien pour une carte d'anniversaire, comme une carte pour quelqu'un à qui on a envie d'écrire un petit mot, tout simplement, voilà. Voilà ma petite carte, alors tout en douceur, j'aime assez. N'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que c'est trop simple ou si vous n'aimez pas du tout ou si au contraire vous trouvez qu'elle est sympa. Voilà, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Et donc pour cette carte, eh bien c'est fini. Voilà. Bon, ben, je vais faire, je pense, une deuxième vidéo pour la carte avec le papier craft. Voilà, je vais repartir exactement sur la même idée. Bah, je vous dis à très vite pour la suite. Voilà, bisous bisous. Bye bye, restez créative et créatifs. À très vite.